Alors ce matin, on quitte Marie-Galante, la Guadeloupe. On voit l'île de Marie-Galante. On s'en va vers la Martinique, mais en chemin, on va faire un petit arrêt en Dominique, qui est juste en avant de nous. Comme il fait beau, on voit les saints. Puis on voit la Guadeloupe qui est là. On a vraiment une belle vue aujourd'hui, on voit loin. Puis on voit quelques bouées. On voit une petite bouée là-bas, là, blanche. Vraiment le fun. On ne peut pas se prendre dedans. Il y en a plein d'autres en avant là-bas. Donc on va faire attention. On a quitté la Guadeloupe et on arrive en deux minutes pour passer la nuit avant de poursuivre vers la Martinique. L'île est vraiment belle. La côte ouest de la Dominique. Bonne fête, Violet! Bonne fête, Violet! Bonne fête, bonne fête! Bonne fête, Violet! Sauf les chandelles qui ne s'allument pas! Fais semblant! Yeah! Typique qui traînent leur fille Amy puis Violette sur un hot dog. C'est le tour des deux gars maintenant. Au fond, mais là, c'est pareil que ça.
petite randonnée de Sainte-Anne en Martinique. On se rend jusqu'à la plage des Salines. C'était un 4-5 km à faire. On était avec une gang de Québécois avec nous. C'est super le fun. Donc, on va aller voir la plage de l'autre côté qui est censée être spectaculaire. Puis, salut! Salut! Bon, Arthur, il va essayer parce que son père n'a pas réussi. Non, ah, c'est pas drôle! Ici aujourd'hui et on est aux premières loges de notre voilier pour les feux d'artifice. C'est super le fun! Gus, enlève-toi. Va chercher les baguettes. Va chercher les paquets. Vous avez aimé votre truc? Qu'est-ce que tu fais, Violette? Le pont de la Grand Voile. Attention, Gus, hein?
Ok, c'est bon, Marianne. J'ai découvert une espèce humaine vivante. Papa? Le projecteur, il est plus là. Ouais, on dirait un ancien cinéma. C'est bizarre. Vous êtes tous les enfants! Attention, le lion va sortir! Hans Four est à Hans Noir. Hans Four est à droite, là. Hans Noir est à gauche, là. C'est entre autres certaines plages où ils ont filmé des scènes de pirates des Caraïbes. On va aller jouer les pirates. Hoi, matey! Ici, on est à Hans Noir et puis c'est un endroit où ils sont venus tourner Pirates des Caraïbes. L'eau, elle est vraiment transparente, là. C'est vraiment beau. C'est pas grave. Attends que maman dise go! Bon, ben, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une nuit de marde. On est dans une anse sous les bateaux rouges, vraiment beaucoup. Puis on avait nos amis Mowgli qui étaient assez près de nous. Puis cette nuit, vers 2h du matin, 2h30, David s'est réveillé, s'est levé. Puis c'est comme aperçu qu'on était beaucoup trop proche. Et puis, dans la demi-heure qui a suivi, là, par 4 reprises, il a dû mettre le pied sur Mowgli pour le repousser tellement qu'il allait frapper là, notre voilier. Donc, il m'a réveillé. On a levé l'ancre, on est allé voir dans l'anse d'à côté si on pouvait s'ancrer, mais il y avait d'autres bateaux, puis on voyait vraiment rien. Donc, on est revenu ici, puis on essaie de se mettre un peu plus loin, mais ça tombe creux très vite. Donc, on n'avait pas beaucoup de jeux là, pour s'installer. Donc, on fait des petits corps de surveillance de nuit là, pour s'assurer qu'on ne frappe pas d'autres bateaux. Puis. Donc, de 3h à là, il est 4h30, c'est moi qui tiens le fort. Puis je vais bientôt aller réveiller David pour qu'il prenne le relais. C'est plein d'orage, il pleut, il fait fret. C'est super agréable. Ici, on est aux anses d'Arlet. C'est un spot de plongée apparemment exceptionnel. Donc, de l'autre côté de la baie, dans ces coins-là, où on n'a pas le droit de s'ancrer, évidemment, à cause de toute la faune et la flore. On s'ancrait de l'autre côté. Puis, en dinghy, il y a des petites bouées pour pouvoir accrocher le bateau. Puis, on va aller plonger, voir qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Et le petit village est aussi magnifique. Alors, on est à Hans Arlet. C'est un beau petit quai avec l'église au bout. Et on s'en va faire de la plongée. Juste là. Oh.
Les Caraïbes françaises, c'est qu'il y a du bon vin, puis il y a des boulangeries partout. Fait que les matins, on vient chercher notre petit pain, nos croissants, avec une belle vue. On fait la file, et tout le monde. Vas-y! 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 Vas-y, Violette! Allez, Vas-y, Gus! Fais un tour dans les airs, Arthur! Vas-y! Alors, on a ramené un oursin qui a été coupé en deux, mangé. Vous voyez, là, à l'intérieur, il est vide. Je peux le remontrer en dessous. Il a été mangé par je ne sais pas quel animal. Mais je ne sais pas si c'est un réflexe ou si c'est, l'animal est encore vivant. Mais si vous regardez, là, ça bouge super gros de partout tout le temps. Les épines, c'est pas super piquant. Je pensais que ce serait plus piquant que ça. Alors, je sais pas si c'est un réflexe ou si il est encore en vie. On va le remettre dans l'eau. Mais non, pas dans un mais saut. C'est drôle. On vient de mettre l'ancre à l'ensalane. Et puis, on est parti pour voir sur le bord de la plage, les petits restos, puis le petit village. Il y a plein de diamants. On récupère l'eau de pluie. On va pouvoir s'en servir pour faire du lavage ou des petits trucs comme ça. Avec les moyens de bord. On vient de s'accoter au port du Marin pour le remplissage. C'est un endroit où c'est vraiment facile, donc on est content. Puis là, on remplit nos réservoirs d'eau. On a pris aussi de l'essence pour le dinghy. Puis on va être bon là, pour un petit bout avec ça là. Ensuite. Yep. Bon, salut! On a des petits problèmes avec notre feu de mouillage depuis à peu près une semaine, puis notre anémomètre, c'est-à-dire qu'on lit plus le vent. J'ai eu la bonne idée de dire, bon, ben je vais monter en haut du mât, parce que c'est deux choses qui sont placées en haut du mât, pour voir si ça fonctionne. On a une super belle vue du bateau aussi.
mais j'ai le vertige. Fait que ça brasse en tabarnak. Je peux pas dire que je trippe tant que ça. C'est une expérience. J'ai vu que tout a de l'air beau, l'anémomètre était bien, les connexions sont belles, la lumière est là. Faut chercher ailleurs, puis là on va redescendre. Une fois aux 2-3 semaines, idéalement, il faut aller dans l'eau puis aller gratter la coque pour décoller toutes les algues puis la petite flore là, qui s'est formée là, sur le bateau pour le nettoyer, pour que ça navigue mieux après aussi. Et puis là, nous, ça faisait presque 2 mois qu'on ne l'avait pas fait parce que partout où on s'arrêtait, l'eau était comme dégueu, puis on voulait pas là, aller s'y baigner, puis sous le bateau gratter. Donc là, il y a comme un gros travail à faire là, pour remettre le bateau tout propre. Et puis David s'est vraiment mis à la tâche. OK, bio! Ils font des courses, on dirait qu'ils ont des nappes. C'est la course du dimanche. Donc, on a des vidéos intelligentes.